Parmi les penseurs des Lumières favorables à l'émancipation, mais d'abord à la régénération des Juifs, et en particulier chez Christian Wilhelm vom Dohm, dans son essai traduit, son essai de 1781, qui est traduit sous le titre en français de la réforme politique des Juifs, eh bien figure régulièrement ce motif, ce symbole des Juifs comme d'infortunés réfugiés asiatiques. Eh bien, les penseurs de la Wissenschaft refusent tout à fait d'être assimilés à l'Asie et souhaitent être partie prenante de l'Europe. C'est très très clair chez Edward Gans, qui est un des fondateurs de la Wissenschaft, qui appelle dans ses discours à briser les murs et les frontières entre d'une part juifs et chrétiens et plus généralement entre juifs et européens. Et donc dans ce sens, cette intégration à l'Europe des Juifs, c'est l'intégration à une certaine idée que représente l'Europe. Et cette idée, elle est assez facile à circonscrire, hein. C'est l'idée de progrès technique, technologique, scientifique, des progrès de civilisation des mœurs, des progrès de l'esprit humain. Les Juifs commencent de ne plus se considérer comme simplement en exil, ils se positionnent de façon tout à fait nouvelle et différente face à la société dans laquelle ils vivent, pourtant depuis des temps très, très reculés. L'Asie ne disparaît pas tout à fait des représentations de lui-même de la part du judaïsme en Europe à cette époque-là. Il peut réapparaître à certains moments quand les Juifs souhaitent montrer l'apport spécifique qui est le leur en Europe. Et c'est assez net, par exemple, dans la construction, dans l'architecture des synagogues. Les synagogues que l'on construit portent autre chose en elles. Elles sont romanes et byzantines, ou elles sont romanes et mauresques, à savoir qu'elles se traduisent à la fois par un emprunt à l'esthétique européenne occidentale et dans le même temps par un caractère orientalisant, soit byzantin, soit mauresque, de manière à montrer qu'à la fois les Juifs s'intègrent dans la société européenne, mais continuent à apporter quelque chose de spécifique, et cette spécificité est en réalité un peu fantasmée, parce que c'est un Orient fantasmé, qui n'est pas l'Orient de l'histoire des Juifs, dont l'histoire est essentiellement européenne. Parmi les partisans du modèle d'émancipation, il y a une grande confiance qui s'exprime, une confiance dans une émancipation qui va finalement faire se réaliser en même temps les promesses de la modernité et les promesses du judaïsme.